Donc c'est Amérique du Nord. Hein. Amérique du Nord, ils sont venus sur nous, voilà. Bon. Quand c'est pas les Allemands, les Russes, les Estoniens, les Roumains, les Espagnols ou les Anglais, ou les Français, hein, Liliane? C'est les Français, ils attaquent les Français, hein. Mais ouais, c'est le PVP, hein. C'est le PVP, donc bah, quand c'est pas eux, bah, c'est les Américains, voilà. Et quand c'est pas les Coréens ni les Chinois, voilà aussi, c'est les Américains. Donc on a eu tout le continent, hein. Il reste plus que les Africains. On n'a jamais été snipé ou hypé par des Africains. Non, hein, je pense pas. De mémoire. Pas d'Algériens, pas de Marocains, pas de Tunisiens, pas de Sénégalais, pas d'Africains du Sud. Des Asiatiques, non, je parle de l'Afrique, là. Ah, non. Bon, on peut pas discuter et écouter, Thio. Ah, voilà. Je pense pas. Hein. Les Éthiopiens, peut-être, hein, on est tombé sur des... Ah non, c'était des pygmées. Hier, c'était des pygmées américains. Ils étaient tout petits. Moi, je cherchais Blanche-Neige, j'ai pas trouvé. Mais il y avait le coléreux dedans, hein, ça c'est clair. Il y avait le coléreux, il y avait oui le grincheux, voilà, c'est ça. Il y avait grincheux, ça c'est sûr. Qui c'est qu'il y avait Simplet, non? Avec ses grandes oreilles, l'autre, là. Non, c'est timide, lui. Simplet et timide, hein, non? C'est les deux mêmes? Je sais même pas, je ne me rappelle plus. Simplet était toujours derrière lui. Il était à la queue leu-leu, lui. Alors le nom du gars, laisse tomber, c'était Tiret. Sur Matrix, on a Matrix, hein, c'est ça, mais machin. Battle Matrix, on pouvait pas voir. Pourquoi on pouvait pas voir qui c'était? Parce que Matrix, on le sait à partir de 10 joueurs sur le serveur. S'il y a moins de 10 joueurs, il n'y a pas d'information. Parce qu'elle a fait des recherches, pas tout, hein, elle est comme ça. Hein. Elle a fait des recherches et tout, et on n'a pas pu voir. On a regardé. Bah attends, on a le. Attends, je vais aller voir. On a l'engramme, il a dit, Nikors. Pour la viande, c'en est où? Je lui mets de la viande normale pour l'instant? Rien du tout? Alors attends, torpeur, c'est bon. Nourriture, c'est bon. Ok. Je lui mets rien. Hein. Attends, je vais voir l'engramme. Ouais, c'était un tiret, c'était... Il y avait une lettre G. C'est humain. Humain, évidemment. Hein. Humain, 1, 2, 3, non? Humain seulement. Humain. Humain, ouais. Ah, purée, y a oh là, oui. Humain, il y avait tiret, il y avait G. Un tiret, oui, non, mais il y a un animal, c'était G. Je me suis fait péter par les animaux, c'était G. Ah, ils se foutent pas, hein. Ils veulent vraiment pas qu'on les reconnaisse. Hein. Donc... Il est où, Nicolas? Il est pas là. T'as pas vu l'engramme par hasard quelque part? Ah bah il est là. Nicolas? Ouais. Tu peux me dire où il est l'engramme que je puisse déchiffrer ça avec les télétwitchers, s'il te plaît? Ah, tu l'as sur toi? Je le remets dans l'atelier après. Ouais, ok, merci Nikors. Voilà, bon voilà l'engramme. Hein. Donc c'est Nikors qui a été dépouillé le mec. Hein. On va voir ça. Là je l'ai pas là, il est où? C'est pas ça quand même. Il m'a pas filé le sien quand même. Attends, c'est quoi cette histoire? Bah, il m'a donné le sien ou quoi? Attends, il a pas compris ma question. Nikors? Ouais. Qu'est-ce que tu m'as donné là, ton engramme? Ah, c'est mon engramme? Bah oui, je comprends. Ah ouais, d'accord. Voilà, on a le voilà, bon, pas un noob. Bah c'est ça, ça c'est le nouveau boss, tu vas voir. C'est le boss invisible. C'est le boss Maminova. Tu l'as ou pas? Bah non, je sais pas, je croyais que c'était ça, moi. Ah ouais, non, bon, laisse tomber.
Ah, il n'y a pas plus noob que nous, je t'assure. Ah non, non, on fait le trio. Hein. Ouais, c'est pas grave. Non, mais il est bien celui-là. Mais non, mais je m'en fous tant, grave. Ah non, ils m'ont fait pleurer de rire, je t'assure, non. Qu'on en fasse exprès, que ça soit une blague, d'accord, je veux bien. Mais pas sérieux, quoi. Bon, je peux pas savoir, excuse-moi, je peux pas, hein. Non, on peut pas te dire. Il y a Zen. Zen. Ah, je sais pas. X-Norage, Urven, Urven. Popcast, oh là, attention là, c'est quoi ça, Popcast? Zen, je sais pas s'il y a Zen, hein. Salut, ah, Zen officiel, d'accord, ok. Ça va, tranquille, ouais, ça va, bien, bien, nickel. Nickel, Zen. Bon, je croyais que c'était toi qui étais venu nous attaquer hier, Zen, mais tu m'as dit, si je t'attaque, je te laisse pas une seule fondation. Donc, vu comment que c'était parti, j'ai dit, purée, va pas me laisser une seule fondation. Je me suis dit, c'est peut-être Zen. Et quand j'ai vu là tout à l'heure qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses, j'ai dit, non, ça, c'est pas Zen. Ah, parce que tu m'as dit, si tu m'attaques, tu me laisses aucune fondation. Hein. D'accord. Sinon, ça va, Zen. Ouais, tranquille. Ah, il nous a pété le broyeur, par contre. Ah, ouais, ouais, il nous a tout pété. Hein. As-tu de la viande ou pas? Qu'est-ce que tu fais l'aigle ou pas? Non, c'est pour savoir ce que je fais. Moi, je vais pas rester à côté de l'aigle comme un gland, non? Ouais, mais est-ce que tu as trouvé une selle en attendant ou pas? D'accord. Hein? Et surtout que tu as rien, ça ne va rien m'apporter de... Ouais, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, ils sont partis. Je sais même pas s'ils ont retrouvé leur cryo, les mecs. Hein. Donc, tellement, il n'y avait rien à trouver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait prisonniers tous les trois, mais ça n'a pas duré, quoi. Puis après, j'ai dit, bon, bah, les... vous n'avez plus de prisonniers, les noobs. Alors là, ils n'étaient pas contents. Hein. Et après, j'ai déconnecté et il était 2h30 du matin. Pendant 1h30, on a fait... Le chat et la souris, non, parce que dès qu'on sortait comme des souris, ils nous voyaient tout de suite. Donc, hein. Donc le tech, je sais pas moi. Hein. Ouais. Donc là, tu vois, hier j'étais ici à l'intérieur de l'autre côté, hein, mais c'était exactement comme ça. Je suis sorti, j'allais à ma planque tranquillement, j'étais là, il m'a snipé. Alors, dites-moi comment il peut me tuer, savoir que je suis réellement ici. Alors, moi, on m'a dit qu'il y a une lunette tech qui peut voir à travers les murs. D'accord? Donc, on est à l'homme qui valait 3 milliards, là, je crois. C'est lui qui faisait ça. Hein. Il voyait à travers les murs, lui. Et puis, tirer une balle à travers le métal. Bon, moi, je veux bien, mais il y aura peut-être un petit code de triche dans le coin. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai dit, ouais, vous m'attaquez. Il me dit, ouais, t'es en colère. J'ai dit, non, attaque-nous, mais sois honnête, quoi. Sois honnête, laisse-nous nous défendre. Niveau 155, niveau 101, niveau 97. Bon, excuse-moi, il y a plus de 50 niveaux de différence, hein, on est bien d'accord. Donc, je joue honnêtement au moins. Alors, les mecs, ils sont au niveau, à fond la galette. Ils attaquent des plus petits et en plus, ils trichent. Alors, excuse-moi, mais bon, moi, je comprends pas. À moins qu'il y a des armes où ils peuvent tirer à travers les murs et qu'ils voient à travers les murs. Après, bon, là, ok, hein. Non, le samedi, non, non. Ouais, le dimanche, ouais, c'était repos, Laura. C'était repos, tranquille. Je viens juste de me connecter il y a une heure et un quart, là, je pense. À l'aigle. Ouais, ouais, mais si j'ai pas de sel, moi, faut que j'en fasse une. Hein. Je crois que j'en avais une, je sais pas. Il me semble que j'en avais une, je sais pas si je vais voir si. Bon, ils nous ont pas tout pété. Hein, voilà. Moi, je pensais qu'ils allaient nous raser de chez raser. Mais bon, ils ont rien trouvé d'intéressant. On a que. Voilà. Un niveau 155, il est intéressé par quoi, un niveau 155? Tu peux me dire, Zen, toi qui es 155, d'après ce que tu m'as dit. T'es intéressé par quoi? Les animaux en cryo pour faire les boss, peut-être? Non, à ce niveau-là, je sais pas. Hein. Peut-être les mechas, ouais, enfin les gros trucs, hein, les mechas ou des machins de reproduction, peut-être, je sais pas, parce qu'arriver à 155, qu'est-ce que tu veux faire plus? À part embêter les noobs que nous, quoi.
Oh non, franchement, c'était folklore hier. Mais... Ouais, mais attends, moi je cherche une selle. Tu lui mets ou T'as la selle? Non, la viande. Ah non, mais lui. Hein. De toute façon, c'est quoi? Ah non, c'est un. Mais non, c'est pas un raptor, ça. Ah non, il s'appelle. Oh, j'ai mon aigle! Ils m'ont pas tué mon aigle. J'ai mon déo, Doedicurus, c'est mon aigle. Ah oh, bah c'est génial, ça. C'est Warigenofo. Bah c'est bon, alors. Alors, je vais sortir mon aigle et je vais mettre l'autre en cryo. Ouais. Il est fait. Est-ce qu'on aura une cryo? Parce qu'on en a piqué une vingtaine hier. Allez. Deux seulement. Tiens, on a piqué ça hier. Travipathie consommable. Alors, talent de construction 1540, santé 127, hein, périmée, nourriture. Normalement, ils disent par qui c'est construit, ça. Ouais. Mais je ne l'ai pas. Tu dois avoir un tiret. Non. Même pas. Non. Poids, talent de construction, santé. Clique droit pour plus d'options. Réparer, jeter, consommer, diviser la pile. On s'en fout. Normalement, il... Ah, attends, it's Lee. Non, ça, c'est le nom de ce qu'il a donné à son ingrédient, ça. It's Lee. Normalement, c'est fabriqué par. Regarde là-haut, it's Lee. C'est le nom de l'ingrédient, ça. Ouais. C'est le nom du... Il n'y a pas, hein. Alors ça, je sais pas comment on fait. Ça, c'est un truc que nous, on n'a jamais fait. Hein. Ah, si, j'en ai fait, moi, privé. Ouais, là, je parle pas de privé, je parle d'officiel, ma puce. D'accord. Et je parle de Ragnarok, je parle de Small Tribe. Hein bon, si t'as envie de parler, je te donne un micro, tu vois, et puis ils seront heureux de t'écouter. Hein mais, un bon conjoint ne contredit jamais un autre conjoint. D'accord. Tu le sais, ça, c'est une règle importante. Alors, pourquoi tu me contredis? Pas devant les autres. Ouais, je te contredis souvent, mais quand on est tout seul, entre nous. Ouais. Oui ou non? Mais pas devant les autres. Je t'ai jamais rabaissé devant les autres. Pourquoi tu ris? Tassian. Devant nos télé-twitchers. Non, j'ai rabaissé pas tout déjà? Devant vous? Non. Non, non, c'est une femme exceptionnelle. Parce que j'ai pas mangé. Ma teacher. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Une cryo, est-ce que tu en aurais vu une quelque part alors? Oui, je vais t'en chercher une. Ah bah voilà, alors si tu fais tout, il n'y a pas de souci. Je t'attends là-bas? Enfin, normalement. Bon, ça va, il n'y a pas trop. Ah, il est en suivi l'aigle, t'étais resté à côté. Ah oui. Et ça attire l'attention, ça. Fini les sushis. Ah ouais, non, c'est une femme merveilleuse, mon petit cœur, pas tout. Là, c'est exceptionnel. C'est... Je pardonne facilement, tu pardonnes? Comment tu peux ça? Tu m'as déjà pardonné? Hein? Tu fais que ça, c'est cela. Non. J'ai pas le droit à l'erreur avec toi, tu le sais. Hein, j'ai raison. Ah non. Si, j'ai le droit aux erreurs. Me dis pas ça, hein. Je le mets en point ou en attaque? Lui, c'est un petit. Ouais, non, c'est un petit. De remplacement, celui-là. Bon, alors, option. Activer le suivi. Hop. Option. Désactiver le suivi. Voilà. Je vais le poser maintenant. Et autre option, on le met en neutre. Voilà. Alors. Quand tu veux, tu te calmes. Non. Alors, poser un sol, on va essayer ça. Siffler, atterrir un sol. Voilà. Il se fout de ma goule, lui. Ah non. Et ça y est, Nicors, il a. Bah si. Il nous a fait un aigle têtu, Nicors. Qui trône sa personnalité. Ah, ça y est. Oh là, non, j'ai rien dit. Oui, t'es beau. Non, j'ai pas de sel, faut le mettre en cryo. Non, je vais pas en aigle en cryo qui n'a pas de sel. Là. Bon, alors, pas, je vais le faire. Wow. Bah, tu veux faire quoi? Mon seigneur.
Là, bon, moi je prends mon aigle, hein. Je crois qu'il me l'avait tapé hier, mais j'ai sauvé mon aigle et mon Doridicurus. Je suis content, ouais. Ils ont pas tout eu. Ouais. Donc là, il était arrivé par là, le mec, pour récupérer son araignée. Hein. Voilà, il était là. Donc il parlait, il nous parlait d'ici avec le bouton B. Hein. Ça fait quand même loin hein, d'ici, voilà. Il nous parlait, il était là, il pouvait pas approcher, il y avait des tourelles. Il attendait ses potes. Hein. Ces potes qui sont venus avec, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Du beau matos. Mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. C'est bon pour l'aigle, Patou, elle va le mettre en cryo. Ça, c'est mon aigle que j'avais avant, Raptor. J'ai pu le sauver. Ah, génial. Ouais, j'ai sauvé mon Doridicurus aussi. Je suis super content, je croyais qu'il me les avait embarqués. Et ton griffon, Patou, elle l'a, hein, te l'a dit, non? Ouais. Bon, bah, on n'a pas perdu, hein. À part quelques bouts de métal, c'est tout. Ouais, c'est ça, ils sont repartis avec le silex. J'ai pas retrouvé le silex. C'est pour nourrir leur mécan. Hein. Ça vaut mieux en rire. Hein. Bon, allez, on attaque. Ok, à tout. Ah là là. Ouais, tu es pas gentil. Ah bon, je suis pas gentil avec Patou. Exactement. Regarde-le, lui. Qui? Damien. Ah bon? Je suis pas gentil avec toi. Ah bon. Ouais, mais je serais gentil avec elle, là, je serais au lit avec... Je serais au lit avec... ma soupe. Bah parce que si je parle pas et puis je mange ma soupe, tu serais contente. Non? Parce que apparemment, je suis pas gentil avec toi. Bah vas-y, explique-moi, vas-y, parle. Allonge-toi sur le canapé et puis parle-moi, vas-y, je vais t'écouter. Vas-y. Après, c'est ton tour, Damien, tu t'allonges, je vais t'écouter. Ah. Ouais. Ouais. Ouais, ça va mieux? Ouais, bon. Ouais, bah je te rappelle dans une demi-heure parce que j'ai du monde là. Hein, une demi-heure c'est bon? Oh, pff, d'accord, ok. Ça c'est ma mère ça. Raccroché. Ok, d'accord. Ok, merci pour ton follow BL4. Bon. Bon, bah, faut qu'on parle ce soir, alors tu vas me dire pourquoi je suis pas gentil avec toi, parce que là, t'as confirmé quelque chose qui m'interpelle, hein, tu vois. Non, mais on va s'expliquer ce soir, tu vas me le dire ce soir pourquoi je suis pas gentil avec toi. Non, mais attends. Non, bah, je vois pas pourquoi, attends. Non, tu sais ce que c'est d'être gentil Hein? Gentil, c'est le contraire de méchant. Donc, si je suis pas gentil avec toi, c'est que je suis méchant avec toi. Et ça m'interpelle. Non, mais je suis cash, toi, tu sais bien, je suis cash. Donc tu as confirmé que j'étais pas gentil avec toi devant les télé-twitchers, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi. Ouais, à cause de toi, Damien. Voilà. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Voilà. Non, mais là, je suis pas d'accord. Attends, tu me fais pas passer pour... voilà. Donc tu me diras ça ce soir, on va discuter. Et puis, voilà. Hein?